Le prince William a publié une déclaration touchante adressée à l'équipe de football d'Angleterre après sa défaite en Coupe du Monde dans un message qui a refait surface avant le match de demi-finale tendu de l'équipe ce soir. William est un passionné de football et, en tant que président de la Football Association, FA, il a vivement soutenu l'Angleterre tout au long du championnat Euro 2020. Il a emmené sa femme Kate, la duchesse de Cambridge, et son fils aîné, le prince George, au match de l'Angleterre contre l'Allemagne, ce qui les a poussés jusqu'au quart de finale. Lorsque l'Angleterre a gagné 2-0, George a été salué comme une mascotte chanceuse par les fans royaux, ce qui a laissé entendre que le duc de Cambridge pourrait amener à nouveau son fils avec lui pour regarder le match de ce soir contre le Danemark. Kate ne fera pas d'apparition au match car elle s'auto-isole actuellement conformément aux directives du gouvernement. Alors que les Sri Lions sont clairement les favoris pour gagner parmi les bookmakers, avec Bet365 plaçant l'Angleterre à 8/11 pour se qualifier pour la finale de l'Euro 2020. Ce n'est pas la première fois que l'équipe est déçue et éliminée d'un tournoi international en demi-finale. Finale. Il a tweeté. Je sais à quel point @England doit être déçu en ce moment, mais je ne pourrais pas être plus fier de cette équipe et vous devriez garder la tête haute. Vous avez eu une incroyable croisillon World Cup, vous êtes entré dans l'histoire et vous avez donné aux fans de quoi croire. Nous savons qu'il y a plus à venir de cette équipe @England. W. Ce tweet a eu plus de 62 000 likes et 10 000 retweets. Point. Le duc de Cambridge avait partagé un message similaire après avoir remporté une victoire en quart de finale contre la Suède 4 jours auparavant. William a tweeté. Vous vouliez entrer dans l'histoire @England et c'est exactement ce que vous faites. Cela a été une course croisillon World Cup incroyable et nous avons apprécié chaque minute. Cependant, son tweet s'est terminé sur une note plus optimiste à l'époque et a promis. Vous méritez ce moment le retour du football à la maison. W. Si l'Angleterre atteint la finale de l'Euro 2020, ce sera la première finale de tournoi majeur de l'équipe depuis sa victoire en Coupe du Monde en 1966.